Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour. Elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier, et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Locagos, Locagos, est-ce que tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Léguéron, où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère! Non! Léguéron! Mon frère! Tu as toujours été mon héros, mon étoile polaire. Je te ramènerai, je le jure. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est trop. Phénix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux! Reculez! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cernée par les défis, absolument seule, la jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd! Allez, la suite! Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'odeur à la fois
du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus? Pas, elle ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon? Les griffons n'existent pas! Lâche-moi! Allez! Hé! Hey, je vais te sauver! J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Comment descendre? L'étang! À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de l'Hydiron, sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale, de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère, hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Mais qui vous a fait ça? Bon, Prométhée, ça suffit, les scènes de chouine avec les mortels. Un peu d'action. Entendu. Ah bah voilà! Là, c'est mieux! L'adamant, laissé par les sbires de Typhon, fut attiré vers Phénix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phénix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phénix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phénix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là.
Quel est cet endroit ? En effet, quel était ce lieu étrange ? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix ? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant dire. Phénix était dans le... voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense ? Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu ? Eh oh ! Que c'est ? Des ailes ? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux. Ce ne sait pas si elles fonctionnent. Waouh ! Elles marchent vraiment ! Enfin, presque. La hache. La hache d'Atlantis. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Allez, cette fois, tu t'es c'est l'un de mes éclairs! Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini! Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Une... Je le crois pas! Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable.
m'arrive. Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non ! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie. Un inventeur nommé Dédale et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-elle. Super ! Ah mais... peut-être qu'elles sont maudites. Je viens à ton secours! Tiens bon! Si seulement Liguiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! Mais qu'est-ce que je fais? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? Gorgone ? Elles existent ? Quelle est cette lueur ? Peut-être qu'en approchant discrètement ? Ha ha!
Ces brassards, je les ai déjà vus, dessinés. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Ainsi Phénix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais là? Cette chose, avec ta voix. Héraclès? Oui, c'est quoi ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non ?